presque envie de dire toutes. Ça répond moyennement à la question. Mais finalement, notre intérêt à nous, c'est au cœur des entreprises, quelles sont les problématiques que rencontrent en particulier les salariés dans leurs tâches quotidiennes, d'essayer de les aider à faire tout ce qui est répétitif ou rébarbatif, les tâches très complexes. Notre idée, c'est de robotiser ça pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et apporter leur vraie valeur ajoutée humaine à toutes ces tâches. Donc nous sommes ouverts à beaucoup de profils d'entreprises différentes, en particulier quand ils ont un volume important de salariés ayant les mêmes problématiques puisqu'on est dans l'automatisation. Alors là, je vais digresser un peu parce que ce qui nous a vraiment donné l'idée de robotiser et de confier des tâches répétitives à des assistants virtuels, conversationnels donc dans notre cas, c'est le chien d'une amie. C'est pas exactement un chien, en fait c'est un border collet. Et les gens qui connaissent les border collets savent que les border collets ont une envie de travailler complètement débordante et sont totalement dévoués à leurs propriétaires, attendent perpétuellement d'avoir des tâches à effectuer. Et c'est le concept, la vision qu'on a, la philosophie pour nos assistants virtuels. Ce sont des robots entièrement dévoués et débordants d'énergie pour satisfaire leur maître. Et donc, le chien en question s'appelle Hopla, comme notre société. Alors, ayant un background de création et de design, je dirais que vraiment, il y a des fondamentaux qui sont, par exemple, quand on fait des brainstorming, qui est un mot connu, mais la première chose, c'est de laisser marcher son imagination, parce que l'imagination vous pousse en dehors des choses que vous considérez comme possibles, dans les zones impossibles, et c'est là que vous allez trouver, et que nous allons tous trouver, des solutions innovantes à toutes les problématiques qu'on rencontre en ce moment.